Vive les mariés! Vive la vie! Vive les mariés! Savourons cette belle journée, mes amis! Et bientôt nos enfants naîtront dans ce pays libre que nous aurons construit! Au bonheur! Au bonheur! Au bonheur! Au bonheur. Et, si vous me le permettez, mes amis, je voudrais adresser mes sincères salutations à l'une des figures montantes de la Révolution, Maximilien Robespierre. À Robespierre! À mon tour alors de saluer l'un des plus grands amis de la liberté, Georges Danton. Ensemble. Ensemble, nous mènerons la révolution plus loin encore. Il reste tant à faire. Nous construisons un monde nouveau, mais cela demande du temps. Nous sommes encore qu'au début. C'est fou, c'est fou, c'est fou! Au nom des principes mêmes de la révolution, elle en devient chaque jour plus féroce, plus terrible, plus tyrannique! Une femme qui me conduit. Pour être un objet de terreur aux yeux de ceux qu'on aime. C'est plus affreux des supplices. Comment ai-je passé mes journées à former des alliances dans le seul but que le pays reste gouvernable? Évite les excès de fureur comme les excès de modération. Tu veux renverser le comité? Oui! Mais enfin, Georges, après, qu'est-ce qu'on fait? Mais mieux, Camille, on fera mieux! Les temps ont changé, la violence et la peur ont trop duré. Il faut appeler à la clémence, encore et encore, et revenir à ce qui faisait le cœur de la révolution. Le patriotisme brûlant d'un côté, la modération de l'autre. Sans ça, il n'y a pas de liberté. La révolution est un tourbillon de liberté et de possible. Mais ça s'arrête ! T'as guéguerre avec Maxime, ça tourne à la lutte de pouvoir, ça ne fait rien avancer, c'est dangereux. Arrête un peu avec tes grandes théories. Je veux dire ton problème à toi. Ton problème, c'est que tu ne sais rien de la vie, rien. Chez toi, les idées tiennent lieu d'expérience. Aujourd'hui, le peuple est avec Robespierre. Et Robespierre est avec toi. Enfin, tu l'as entendu tout à l'heure. Tu viens de t'en rendre compte. Il y a 3 ans, t'étais chez nous pour notre mariage. Et tu l'as salué comme l'un des plus grands hommes de notre génération. Ce peuple français, Robespierre, tu ne le connais pas. Alors fous-lui la paix. Tu oses dire que je ne connais pas le peuple? Sais-tu bien à qui tu t'adresses? J'en viens du peuple, moi! Ta différence au sort des pauvres. As-tu une idée de ce qu'a été mon enfance? De ce qu'a été ma vie? As-tu jamais souffert comme j'ai souffert? Tout cet dénuement, tant matériel qu'affectif, j'ai payé dans ma chair, moi! Le droit de parler au nom du peuple! Enfin, tu parles avec ton cœur. Maximilien me fait peur, Camille. J'ai de moins en moins confiance en lui. Et peut-on abattre la colonne de la liberté qui est Danton sans ébranler tout l'édifice? Mais ce cœur est toujours là. Ce cœur qui, lui, ne doute pas. Il me pousse à consacrer chaque minute de mon existence, chaque parcelle de mon être et de mon âme, au plus beau des combats. La révolution. La révolution.